C'est moi, Death Tripman. J'ai pris le contrôle de la chaîne de Tino. Quoi? Personne prend le contrôle de ma chaîne, ok? Tu te prends pour qui, toi? C'est fou, ça. Allô, la compagnie, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo anecdote. Ça faisait longtemps, non? Pas sûr. Je sais pas. En fait, je sais pas. Je sais pas comment je les programme. On verra bien. Donc, on va repartir sur des petites anecdotes sympas. Puis là, ça va commencer un peu à partir en couille. Quoique, je sais pas. Suspense. Vous verrez bien. Histoire numéro 1. Oups là. Uno. Donc on était parti à Liège avec mes potes Max et Mims. Je me souviens plus si c'était mon ex. Enfin, c'est un détail, puis je m'en bats les couilles de toute façon. Donc on était avec Max et Mims. Avec Max, on commence à faire le tour de cette grande patinoire. Une patinoire qui avait été. C'était le spot du moment, quoi. Pas ouf, mais bon, c'était un petit défi d'y aller, quoi, parce que c'était pas un accès facile. Donc on fait le tour une fois et tout, puis on voit deux petites jeunes comme ça. Comment ça passe, on était derrière, on commence à aller derrière la bâtisse. On voit deux petites jeunes qui commencent à disparaître en courant comme ça. Mon pote, il avait un treillis, c'est peut-être ça qui les a fait flipper, tu vois. Et du coup, tu vois, on passe par le trou dans le grillage et tout, on essaie d'examiner, voir s'il y avait une entrée, etc. On fait le tour du bâtiment. Donc du coup, je pense que les jeunes, elles se sont dit, bon, c'est pas des flics ni rien, ça doit être des urbexeurs, parce que le coin-là, il était très mal famé. Et il y avait pas mal de pauvres mecs qui venaient killer, qui venaient vendre du matos, tout et n'importe quoi. Quand on est arrivé, il y a un mec en 206 ou je sais plus quelle bagnole là, qui roulait dans l'herbe, qui faisait des freins à main, un coin de cas social, mais puissance 10 000, t'as jamais vu ça de ta vie, quoi. Donc on s'est dit, bon putain, le coin là il craint quand même pas mal. Donc on refait un tour et puis là on commence à discuter avec les petites jeunes et tout pour savoir s'ils connaissent pas un accès. Tu vois. Puis il y avait une corde comme ça. Il me dit, ah bah c'est par là qu'il faut passer, par la corde et tout, machin. Voilà, on va le délire et tout, donc faut faire de l'escalade, on commence à escalader le truc et tout. Chaud quand même, c'était pas évident. Moi ça va, Max ça va, Mime c'est pas un chamois, quoi, tu vois. Elle monte pas des montagnes comme ça, tu vois. Donc elle a un peu plus galéré, tu vois, les petits jeunes ils montent avec et tout. Et puis on commence à faire notre petite exploration, quoi. Ouais. Patinoire pas génial. Hein. Au final, je sais pas si des particules qui volaient dans tous les sens. Je pense que c'était de l'amiante, quoi. On a mis le masque direct. C'était très sombre. C'était pas ouf. On pensait que ça allait être plus terrible que ça. Et au final, bon, c'est plus l'incursion dans le spot qui reste mémorable que le spot en lui-même, en fait. Mais c'était marrant, c'était cocasse, les gens ils flippent de nous, d'habitude c'est l'inverse, tu vois. Là on arrive, on croit que c'est nous les flics, tu vois. On a vachement la dégaine de flics avec mon pote, tu vois. Laisse tomber, tu vois. C'était marrant. On va continuer par aussi encore une belle incursion, une belle infiltration. Cette fois c'est au Mélomania, le théâtre, c'est en 2017. Et donc là on était 6, ouais. Et bah, on était la même bande, plus deux autres gars des Vosgiens. Donc ce théâtre était déjà en cours de rénovation. Donc il y avait des travaux la journée. Et il y avait un échafaudage qui faisait tout le tour du bâtiment.
Donc, les deux Vosgiens et Max, ils vont à la recherche d'une rentrée. Moi, j'attendais avec les meufs en sécurité. On essayait de scruter autour pour voir s'il y avait personne. Vous allez gay, quoi. Mais je te vois, toi. Eh, je te vois, toi. T'es pas abonné. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais tu vas t'abonner, bordel. Ah, mais c'est ouf, ça. Et du coup, bah, comment ils ont trouvé un accès? Il fallait monter tous les échafaudages jusqu'en haut pour pouvoir passer une petite fenêtre ouverte sur le toit. Donc là, on s'était donné rendez-vous vers 4h30, 5h du matin dans les Vosges, parce qu'il fallait le faire vraiment de nuit, rentrer de nuit, parce que sinon on était grillé direct. Donc on est arrivé à 5h, 5h30 sur le spot. On a attendu environ 2h dedans, je crois, le temps que la lumière se lève, qu'on puisse avoir une lumière exploitable. Moi, je shootais un peu vite. J'aurais dû attendre peut-être une petite demi-heure de plus et j'aurais eu des meilleurs clichés. Mais bon, c'est pas grave. Chacun fait son taf. On tourne le lieu. Bon, après, voilà, c'est un théâtre. Il n'y a pas non plus 1000 pièces à prendre. Donc voilà, une heure et demie, peut-être 2 heures quand même, parce qu'on était quand même 6. Le temps que tout le monde fasse ses photos, etc., on commence à se barrer et tout. On reprend le même accès que bah, pour quand on est arrivé, forcément, on n'a pas trouvé d'autre à l'intérieur pour sortir plus facilement. Donc on fait toute l'escalade et tout, de l'échafaudage. Puis moi j'étais au milieu du peloton, il y avait 2-4 devant, moi j'étais 3ème personne, et puis il y avait encore 3 personnes derrière moi. Mais en fait, moi je me suis même pas rendu compte, mais je sais plus qui c'était que dans que le peloton, je crois que c'était Mims ou mon ex. Et en fait, il y a un mec qui nous avait capté, sortir. À partir et du coup nous avait suivi jusque sur le toit et tout. Et franchement, je vous le dis, moi j'ai rien capté, mais visiblement il avait dit aux autres, ouais, j'espère que vous avez pas foutu la merde, il y en a plein qui mettent des bougies, il y en a plein qui ont failli foutre le feu, etc. Puis bon, bah on est parti, et puis après il nous raconte, ouais, bah, j'ai failli me faire alpailler par un mec et tout, il m'a tenu par le bras et tout, je me suis débattu, je suis parti, je dis, ah ouais, quand même. Donc, celui qui va en tête de peloton s'est rendu compte de rien, ainsi que jusqu'au milieu de peloton, tu vois. Mais à la fin, ouais, ils ont eu quelques petits déboires avec un mec, on s'est pas qui c'est, on s'est barré, fit ça, et puis on n'a pas cherché à comprendre, hein, de toute façon, hein, il nous a raconté l'histoire, ça, un peu plus loin, on a refait une pause en 2-3 villages plus loin, pour être tranquille, pas qu'il ait appelé des ch'tards, et qu'on se remmerdait, quoi. Mais c'était cocasse, quand même, une belle infiltration, quand même, c'était palpitant, c'était impressionnant. C'était ouais, une infiltration mémorable, avec un joli lieu à la clé. Le théâtre n'a pas des masses, enfin, il y en a, hein. Et voilà. Celui-là, il était à la limite d'être restauré, donc il fallait pas traîner avant de le faire. Histoire numéro 3. Voilà. On est en 2019 et je suis avec ma pote Guantanamo. On est dans la Meuse, les Vosges, enfin un peu les régions là, tu vois. On gravite, on fait une petite liste de spots que j'ai et puis on passe une petite journée sympa à faire des photos, quoi. Et là, on arrive à la ferme du Dévot. Une magnifique ferme, j'ai vu des photos, j'ai surkiffé, une ambiance de ouf, tu vois. Donc on arrive et tout, on arrive, on s'infiltre sans trop de problèmes, il y a un chien, mais bon, ça ne fait pas trop chier. Donc on s'infiltre sans trop de problèmes, et là on arrive à l'intérieur, on voit un sac, du matériel photo et tout, on dit ouais, bon, bah, c'est bon, c'est des urbexers, on va pas nous emmerder, on est tranquille.
On commence à faire le tour de la maison, on kiffe à mort et tout. On retourne dans le hall, on commence à déballer les affaires, et puis là, il y a une meuf près de ses affaires, du coup, près du sac qu'on a vu quand on est arrivé. Elle dit « Ah, bonjour, vous avez une autorisation pour être ici ?» Je dis « Bah non, on fait de l'urbex. D'où quand tu fais de l'urbex, t'as une autorisation ?» Dans ce cas-là, tu fais de la photo, tu fais plus de l'urbex, quoi. C'est plus d'exploration urbaine. L'exploration urbaine, c'est justement de faire sans autorisation, sans te faire caler, comme certains là, qui font des vidéos sur YouTube et qui, à chaque, quasiment à chaque vidéo, se font caler. Ça croire qu'ils font exprès. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, hein, c'est Corentin et Gabriel. Et les mecs qui doivent faire exprès de faire du bruit sur les spots pour se faire griller, c'est pas possible de se faire autant arrêter et contrôler. Enfin bref, parenthèse. Donc, hop, je dis, bah non, on n'a pas d'autorisation, hein, non. Elle me dit, ouais, bah, moi je prends pas la responsabilité si vous faites y aller. Le propriétaire, il va pas tarder à arriver, il nous a donné l'autorisation. Allez-y, mais si vous tombez sur le propriétaire, je suis responsable de rien. Je dis, oh, pas de soucis, hein, moi je vous explique, je parle. Donc on shoot en speed quand même, quoi. On sait jamais que le propriétaire soit un connard, et que voilà, on sait pas. Pour éviter toute éventualité négative, on fait vite, tu vois. On prend une demi-heure, trois quarts d'heure quand même, quoi, mais on fait nos photos, tac. Moi j'ai ce qu'il faut, elle a là ce qu'il faut, on est bien. Du coup on se casse. On dit ciao aux gens qui m'ont demandé les autorisations. Ils étaient trois, je crois, en tout, deux mecs et une femme. Et on leur dit bonne journée, au revoir, machin, tac tac. Puis on se casse, quoi. On a halluciné avec ma pote parce que tu fais de l'urbex avec autorisation. C'est quoi le principe en fait? Le principe, c'est quand même cette montée d'adrénaline quand tu fais un truc interdit. Si tu demandes une autorisation, ça casse les trois quarts du charme de l'activité en fait. Ok, t'es serein, tu peux faire tes photos tranquilles, mais déjà. C'est très limité en spot, et de deux, bah, comme je t'ai dit, quoi, ça casse les trois quarts du charme de l'urbex, quoi. Donc peut-être, oui, c'est pour un point de vue artistique, t'es peut-être un peu plus tranquille, serein, et tu peux te poser plus à faire tes photos, mais dans ce cas-là, fais de l'immobilier, c'est peut-être mieux. Donc cette petite histoire, elle est cocasse. C'est passé en 2019. J'ai un contact Instagram qui avait trouvé un combi dans les bois. Je le trouvais sympa. Donc, je suis allé photographier. Donc l'été, j'aime bien faire des expositions de voitures. Parce que j'aime bien les voitures des années 30 à 70, tu vois, que ça passe des américaines aux combis, aux Cox, etc., etc. J'aime bien ces voitures. Donc là, il y en a là, mais ça c'est une urbex. Là, il y a des combis. Ah, ça c'est les produits que je propose, hein, si ça intéresse. Tu vois, petit tableau photo. Ça pour 20 balles. Un beau souvenir, hein, hein. Allez, achète. Comme je fais beaucoup d'expos, j'ai lié des liens avec certaines personnes, des exposants, quoi, qui ont des voitures. Donc là, c'est mon pote Jeff, tu vois. Il voit les photos. À chaque fois que je poste, de toute façon, des photos de Cox et tout ça, ils sont comme des fous. Je dis, putain, c'est où? Dis-nous, c'est... On va voir avec le propriétaire, on les rachète, on les restaure, etc. Leur passion, c'est vraiment de faire vivre les Cox et les vieux combis. Donc du coup, je suis pas sûr, tu vois, de donner la loc. J'aime pas trop donner les locs, surtout
Bon, j'ai confiance, mais je sais pas s'il va faire le mec, tu vois. Je dis, bah ouais, mais pourquoi? Il me dit, ouais, bah en fait, j'aimerais bien sauver ce combi et tout. J'aimerais bien avoir. Déjà savoir dans quelle ville il est, quel village il est, pour pouvoir contacter le maire, et puis voilà, faire les choses bien, et puis pour pouvoir le sauver. Donc je me dis, ah, dans ces conditions-là, ça part d'une bonne attention. Donc hop, je lui donne le nom du village, je lui donne la localisation GPS. Et de son côté, ben, il s'est occupé à sauver ce combi. Il a fait toutes les démarches, il a demandé au maire le nom du propriétaire, il l'a emmené chez un agriculteur qui l'avait sur son terrain, quelqu'un qui lui avait donné, etc. Ils s'en servaient de cabane de chasse, tu vois. Donc ils sont allés voir le truc et tout. Et le mec lui a dit, si vous sortez, il est pour vous. Donc bah, il s'organise, il trouve un plateau, etc. Et le jour venu, bah, l'agriculteur, en fait, il a tout fait tout seul. Il a pris son tracteur, il a sorti de l'espèce de petite forêt où il était, il a tiré dans le champ, il l'a chargé sur sa charrette. Et hop, c'était parti. Et on s'est stocké quelques semaines dans une grange là-bas, le temps de s'organiser sur la région d'où il restaure les combis, etc. Qu'ils fassent un peu de place. Et puis hop, ils ont ramené le combi en restauration. Donc moi, j'y suis retourné quelques semaines après pour justement le Delirium Flat Tour. Elle, il avait déjà monté sur roue, ils avaient déjà commencé quelques restaurations et tout, c'était sympa de le voir en dehors de cet environnement forestier en train de mourir, là, tu voyais qu'il commençait à avoir une seconde vie, etc. Tu vois. Et c'était vraiment sympa, et puis ils ont continué à restaurer, mais ça, c'était vraiment un gouffre financier. Du coup, ils l'ont revendu à d'autres passionnés, c'était très important qu'il reste entre les mains de passionnés. Et il est sûrement en cours de restauration chez quelqu'un d'autre, là, où ils ont utilisé les pièces. Une seconde vie s'offre à lui, et ça fait plaisir, parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui crèvent. Les passionnés, ça les rend malades. Nous, en tant qu'urbexeurs, on kiffe. Vous aussi, en tant qu'amateurs d'urbex, vous kiffez voir les photos, les vidéos de cimetières de véhicules. Mais sachez que les passionnés, eux, ça leur déchire le cœur de voir leur voiture favorite en train de crever. Donc s'ils pouvaient tous les sauver, ils le feraient, tu vois. Donc ça fait plaisir que, voilà, une des voitures, une des innombrables épaves que j'ai vues a été sauvée, quoi. C'est une petite satisfaction personnelle. Et ça n'a pas détruit un spot de dingue, c'était juste un combi au milieu de la forêt, ça a gêné personne, on était peut-être même pas une dizaine à l'avoir pris en photo, et puis comme ça, ben, au moins, on est les seuls à l'avoir pris. Il y en a beaucoup qui chassent les exclus, voilà, donc ça nous fait notre petite exclu, sans foutre la merde, sans rentrer dans le lieu, faire ses photos, après t'appelles des flics, et puis pour dire, hey, y a des gens qui sont rentrés dans ce lieu, faudrait peut-être le fermer, comme ça, je suis tout seul à avoir fait des photos, je suis une grosse timpe, j'aime sucer des... Hein. Voilà. Ça se fait dans le milieu. Il y a beaucoup de coups bas dans le milieu. On croit que c'est un milieu de gentils, d'entraide, etc. Il faut avoir un réseau, un petit réseau de gens avec qui t'as confiance. Mais pour la plupart, c'est des putains d'enculés. Ils pensent qu'à leur gueule. Et c'est des coups bas sur coups bas sur coups bas sur coups bas. Donc voilà. Entre ceux qui appellent les autorités pour fermer le lieu, ou les autres qui les retournent complètement, ou des gens qui cachent des objets un peu phares du lieu pour qu'il n'y ait que eux qui les aient. Voilà quoi. C'est très bas, c'est nul, c'est lâche, c'est pourri. On va finir par cette dernière petite anecdote qui s'est passée en Allemagne en 2017.
Donc on était allé faire le Hunter, un hôtel magnifique. Mais ça c'est sous autorisation. Bon, je disais de la merde tout à l'heure, mais pas des autorisations, mais celui-là, j'aime pas. En fait, c'est un mec qui vit dans les dépendances et il fait payer 10 balles de l'heure pour faire visiter le Hunter, l'hôtel abandonné, quoi. Donc l'avantage, c'est que le lieu il reste préservé. T'as pas de connard qui vient casser, taguer, voler, etc. Les avantages, c'est que 10 balles l'heure dans un hôtel comme ça, t'as pas vu la moitié, même pas, t'as pas vu un quart. Donc bon, c'est pas là que ça se passe l'histoire, mais c'est une petite anecdote du 10 balles l'heure, ça me faisait rigoler. On était un peu sur le cul quand le mec nous a dit oh, 10 euros pour 1 hour, avec un accent allemand du terroir. Yon aurait dit un ermite avec une grande barbe bien, en bleu de travail, c'était marrant. Donc juste à côté de ce lieu, il y a le Mist. C'est tout l'inverse en fait. C'est aussi un ancien hôtel, mais là le temps et la main de l'homme, ils sont passés. L'avantage c'est qu'il y a encore des lits, mais qui baignent dans une ambiance post-apocalyptique, avec des lits qui sont recouverts de nature, de vert de gris, de mousse, un spot incroyable. Là, complètement ravagé par l'humidité, etc. Le toit était foncé. Je crois qu'il y avait eu un incendie au dernier étage, il me semble. Et du coup, il y avait des infiltrations d'eau partout, donc ça coulait dans toutes les pièces. Donc sur toutes les pièces, il y avait des... C'était un environnement et une ambiance particulière. C'était vraiment ouf, c'était dingue. Et du coup, bah, on fait nos photos. On était encore tous les quatre, mon ex, Max, Mims et moi. On fait nos photos et tout. D'un coup, on entend des voix dehors qui disent « Artung, police, polizei !» Je regarde pas la fenêtre, je vois des mecs en treillis et tout, je dis merde putain, les flics allemands, putain, ils sont pas commodes les flics allemands, c'est des rudes, ils sont chauds, tu vois. Je vais voir Max, je dis ouais, je crois qu'elle est condée et tout en bas, il y a des gars habillés en militaire et tout, c'est chaud. Hop, il regarde, il s'aperçoit, il dit ouais, bah, de toute façon, là c'est le seul accès, on est mort, on est grillé, autant y aller, de toute façon, on va essayer de parlementer, tu vois. Donc on descend et tout, et il continue pour les drives, one again, machin et tout, tu sais. Dis putain, on va finir en garde à vue dans une vieille cellule en Allemagne, là, laisse tomber, tu sais, dégueulasse, avec des schpoons là, qui vont nous rendre dingue. Puis on descend avec nos appareils et tout, on se pose à l'entrée, ils arrivent. En fait, c'était juste 4 jeunes. Il tape un trip en fait. Je sais pas pourquoi il disait que c'était de la police, peut-être pour effrayer les gens, pour dire voilà, pour voir s'il y avait de la réaction. Ou... Je sais pas. Mais ils nous ont fait flipper ces enculés avec leur bolidzaï là. Et du coup, en fait, c'était juste là pour explorer. Donc nous, on a continué notre explo tranquille. Avec eux qui gravitaient dans les environs, mais putain, j'ai envie de leur mettre des coups de trépied dans la gueule avec leur vanne de merde, putain. Faire flipper pour rien en plus, parce que bon, ben, le lieu il est ouvert aux quatre vents, donc il n'y a pas forcément d'infraction quand il va, tu vois. Mais putain, les enculés, tu sais. Parce que, en Allemagne, on sait très bien que les flics ils pardonnent pas, et il ne faut pas faire le con, tu vois. Donc voilà, j'espère que ces petites histoires vous ont plu. Il y en a encore sous le coude, il y en a encore quelques-unes, une bonne dizaine. Là, ça devient de, hein. Les deux prochaines, c'est les deux dernières. C'est celles qui vont me coûter le plus cher, j'ai envie de dire.
Surtout une en particulier. Le reste, ça va. Il y en a une. On a pris cher. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, etc. Et puis celui que j'ai vu là tout à l'heure, au fond, t'es toujours pas abonné. Donc tu t'abonnes. S'abonner, ça prend rien. Ça prend 3 secondes. Et pour moi, c'est très important. Voilà, allez, big up, compagnie. Peace.